Nous sommes de retour dans la maison des maternelles. C'est la deuxième partie consacrée à vos témoignages, à vos trucs et astuces de parents et puis bien sûr aux conseils de nos experts. Vous connaissez par cœur maintenant, on est ensemble jusqu'à 10h05 à peu près et on est avec toute l'équipe. Notre experte, j'en parlais à l'instant, maison, c'est Anna Roy. Bonjour Anna. Oh, sérieux, ouais, ça rigole pas. Baronne. Non, de toute façon, je vais vous dire, elle finira ministre de la Santé et on tremblera en la voyant. On fera bonjour Anna, enfin, je peux vous appeler Anna, Madame Roy, Madame Rawa. Alors Anna Rawa, ouais. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme... Là, on va, pendant le tuto, on va parler mouvement du bébé. Ah. Donc c'est à la fois un tuto sympathique et en même temps très sérieux. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est ouais. Formidable de sentir son bébé bouger, mais il faut... Il y a des choses à savoir pour de vrai, là. Vous me faites flipper, Anna. Ouais, je suis sérieuse, je ne suis pas souvent sérieuse. Oui, ouais, mais là, ouais. On le sent, ça rigole pas. Marie Perrin, vous êtes sérieuse? Non. Hein. Oui, oui, parce que vraiment, c'est très, très important. Donc, vous allez bien m'écouter, Anna, parce que le bébé nageur... Des choses à savoir quand même. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi. Non, mais cela dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Oui, c'est vrai. Notre envoyé spécial S-Podcast oui. Est Benjamin Muller, entre autres, hein, bien sûr. On vient tout juste de mettre un nouvel épisode en ligne. C'est tout chaud, c'est tout frais. Donc, à la fin de l'émission, vous allez pouvoir l'écouter sur les discriminations que subissent les femmes à leur retour au travail, à leur retour après un congé maternité. Et vous allez voir qu'il y a des témoignages gratinés d'hommes, mais aussi de femmes. Il ne faut pas croire que ce sont que les hommes qui parlent mal à ces femmes, de managers qui ont des réflexions hallucinantes. Bon, donc, on aura des bons conseils pour... Vous pouvez évidemment compter sur la maison des maternelles pour lever le poing ouais. Et pour dénoncer ces discriminations. Tout de suite, on va parler sevrage. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous stresse beaucoup. C'est l'heure de partager. Après une période d'allaitement exclusif, le sevrage, c'est-à-dire le passage au biberon, c'est un moment qui est souvent chargé d'inquiétude pour les mamans. Pourquoi certains bébés refusent-ils catégoriquement de boire à la tétine? Que faire? Et puis surtout, comment faire en sorte que le sevrage se passe en douceur pour le bébé, mais aussi pour la maman? Bonjour Patricia Coutable. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultante en lactation IBCLC. Vous pouvez expliquer ce que c'est IBCLC? Alors, c'est une certification internationale qu'on valide tous les 5 ans. D'accord. Donc, on sait que vous êtes dans le topaz. On essaie. De la consultante en lactation. Vous on étiez essaie. Déjà venu nous voir parce que vous oui. Savez que dans la maison des maternelles ne se succèdent que les plus grands experts. Preuve en est, Anna Roy reste à cette table pour vous conseiller aussi. Patricia, admettons que je recommence le boulot le 15 octobre et je suis en allaitement exclusif. À quel moment est-ce que je dois démarrer le sevrage? Alors souvent les mamans pensent qu'il faut le commencer très tôt. Et moi, je pense qu'il ne faut pas le commencer très tôt. Ça n'a aucun intérêt majeur, en fait. Ça perturbe tout le monde. On a une date butoir. C'est compliqué. Il y a une espèce de stress autour du challenge de « il faut qu'ils boivent au biberon ». Donc, pour moi, le plus tard possible, la semaine d'avant, c'est déjà pas mal. Ah bon, la semaine d'avant Et alors, je décide et tout. Ça y est, je me dis « je vais le sevrer ». Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je pense qu'il faut déjà jouer avec ce biberon. Apporter cet objet... comme étant un objet de jeu, pas un objet où derrière on veut qu'ils boivent ces 150 ou 100 millilitres de lait, quel que soit le lait qu'il y a dedans d'ailleurs, hein, lait de mer ou lait artificiel. Alors ça dépend un peu de ce qu'on a vraiment envie. Est-ce qu'on sevre du sein ou est-ce qu'on sevre de l'allaitement maternel? Sevrage, ça englobe beaucoup de choses en fait. Mmh. C'est pas juste je sevre. Et puis sevrer, en vrai, c'est arrêter tout. Oui, sevrer quand on arrête le tabac, c'est j'arrête le tabac, c'est pas j'en prends une de temps en temps. C'est j'arrête. C'est ça. Donc, il y a un deuil à faire quand même. Vraiment, et qu'est-ce qu'on veut nous vraiment? Qu'est-ce que le bébé va être capable de faire? À quel moment on le fait? Effectivement, ça, c'est pas évident. Maureen vous demande, est-ce que vous avez un conseil sur le choix de la première tétée qu'on va supprimer, qu'on va remplacer? Moi, je commence pas forcément par un choix de tétée à supprimer, mais par quelques millilitres. C'est-à-dire que comme j'amène le biberon comme étant un objet de jeu, ouais. Il va commencer par jouer avec, à l'envers, à l'endroit, en mettre partout. Et puis, à un moment donné, pourquoi on ne sait pas, il va le mettre en bouche. Peut-être qu'il prendra 3-4 gouttes et on sera déjà très content. Et puis, au fil des jours, peut-être ce sera de plus en plus. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup faire confiance au bébé aussi. Enfin, à l'enfant qu'on veut sevrer, en fait. Et pas forcément dans une obligation à faire sauter la tétée, vraiment. Oui, pas entièrement. Pas entièrement. On peut faire qu'une partie, c'est-à-dire faire un début de tétée au biberon, au sein par exemple, ouais. Et puis finir au bib, pourquoi pas. Bon, là, il y a peut-être plus de risques de confusion, mais ça, c'est à voir après avec l'enfant, puis savoir ce qu'il est capable de faire surtout, et ça, il n'y a que la maman qui le sait. Et pour vous, un sevrage qui se passe bien, il dure combien de temps? Une quinzaine de jours. Oui, c'est ça. Si c'est vraiment, j'étais exclusif à j'arrête, 15 jours,
grand max 3 semaines. Après, si on n'est pas toujours clair, ça peut durer 6 mois. Hein. Anna, quel biberon, quelle tétine, quel lait choisir quand on démarre un sevrage pour vous? Alors bah déjà, si le sevrage se passe assez tardivement, il y a quand même beaucoup de mes patientes moi, qui passent directement au bol ou à la tasse. Ouais. Mais pour celles dont le sevrage va être plus précoce, moi je leur dis de choisir les tétines qui leur font plaisir. Enfin, j'ai pas de recommandations sur les tétines en particulier. Juste le bol ou à la tasse, c'est quel âge? Bah, ça dépend des bébés, mais ça peut être 9 très mois. Très tôt, hein, les préma ou à la tasse. Hein. Ah oui? Oui. Oui, alors après, moi je pensais aussi vraiment, genre, vous voyez... Oui, l'enfant qui prend. Voilà. On peut donner très tôt à la tasse. Ouais. Les bébés préma, certains, pas tous, hein, mais savent boire au verre. Ça veut dire que si je veux le sevrer dès son 3e mois, je peux lui donner un petit peu à la tasse? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. Anna, les laits qui sont dits relais allaitement, on voit beaucoup ça. Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'y crois pas. Mais après, peut-être que des spécialistes en biologie nous diraient qu'il y a un fondement. Moi, j'y crois pas. Tous les spécialistes disent la même chose. Patricia, vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Ouais. Je ne crois pas. C'est marketing, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est pour faire acheter. Voilà. C'est de bonne guerre. Jamais personne n'est venu nous dire que c'était une bonne chose ici. En tout cas, j'ai pas l'impression. Je vous renvoie d'ailleurs justement à l'émission spéciale lait qu'on avait faite peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, que vous trouvez sur lamaisondesmaternelles.fr et on vous dit tout sur les laits justement artificiels. Ceux qui disent que c'est intéressant, c'est les fabricants. Hein. Forcément. Oui, c'est ça. Donc les études sont biaisées. Hein. Patricia, on a reçu évidemment beaucoup de questions pour vous, notamment celle-ci en vidéo de Céline qui est en plein sevrage. Écoutez. Bonjour la maison des maternelles, j'allaite mon petit Timo depuis 5 mois et demi. J'ai repris le travail depuis 15 jours et lui il a commencé la crèche. Je peine à réduire ma lactation depuis début août dans le but de le sevrer. Je voulais savoir quel était le rythme à adopter pour y arriver et pouvoir arrêter de tirer mon lait au travail, sachant que je fais des 10h-20h. Merci beaucoup. Merci à vous Céline. Est-ce qu'on peut la conseiller? 10h-20h. 10h-20h, c'est des longues journées. Souvent, ce qu'on a tendance à faire quand on commence ça, c'est vider le sein. Plus on va vider le sein et plus il va refabriquer. Donc l'idée, c'est de pas vraiment vider. C'est-à-dire qu'on va tirer, mais on va tirer que ce qui gêne. De façon à ce que le sein ne reproduise pas ce qui manque, en fait. Et puis petit à petit, on va arriver à aller de moins en moins avoir besoin de tirer. Pardon. Et est-ce que si on a choisi un allaitement mixte, du coup, le sevrage se fait plus facilement? Ça peut être plus facile, parce que le sevrage est induit plus vite, finalement. Oui. Oui. Forcément, le bébé est habitué à la tétine. Il est habitué à la tétine. C'est pas pour ça que vous le conseillez de faire quand même un allaitement mixte. Moi, je ne conseille pas forcément ça. Mais je conseille souvent de commencer l'allaitement, de faire un exclusif, et puis après, on voit en fonction des choix de la mère. C'est ça. Hein, en fait, on peut faire, par exemple, l'allaitement uniquement au sein, et puis après se dire, bon, dans l'idée du sevrage qui sera dans quelques mois... Il faut se laisser du temps. C'est ça. Il faut toujours se laisser du temps, parce qu'on mûrit. Je dis souvent à mes patients, on grandit ensemble avec le bébé. Et donc, il y a des fois où on a un projet, et puis finalement, au bout de quelques jours, quelques semaines, le projet, il change, et c'est normal, et c'est humain. Et il faut se laisser du temps. Oui. Et laisser du temps et aux parents... Je dis bien aux parents, pas seulement à la maman, et aux enfants. Ah, c'est intéressant, le papa a son rôle, il faut le dire. Bien sûr. Anna, on a besoin de vous. Justement, en parlant d'allaitement mixte, il y a Audrey qui l'a pratiqué, sauf que le passage au biberon de lait artificiel, c'est un peu compliqué. Elle a besoin d'Anna Roy. Bonjour la maison des maternelles, bonjour à toute l'équipe. Donc, question concernant le sevrage de mon bébé, qui a 6 mois maintenant. C'est une petite fille qui est allaitée depuis sa naissance. Nous avons commencé la diversification alimentaire il y a 1 mois et demi. Maintenant, je voudrais passer au lait artificiel et elle ne veut pas, tout simplement. Elle refuse les biberons alors qu'elle les prenait très bien avec du lait maternel à l'intérieur. Elle a même entamé une grève de la faim. Elle refuse de se nourrir de ses purées habituelles. Comment compenser le manque de lait? Y a-t-il des astuces? J'écoute. Merci, à bientôt, au revoir. Ah, c'est dur. Merci Audrey, ouais, comment on pense? Alors déjà, elle est intelligente, cette petite fille, c'est-à-dire qu'effectivement, elle doit percevoir une différence de goût. Ouais. Et en plus, si sa maman est à ses côtés, elle se dit, non mais elle se moque de moi un petit peu. En fait, il suffit de proposer son sein, ce sera beaucoup plus simple. Alors comment on compense? Non, je pense qu'il faut lui laisser le temps à cette petite fille de s'habituer. Et certainement, à mon avis, il y a des yaourts, enfin, il faut compenser, parce que le problème, c'est que les pédiatres, c'est vrai, mettent la pression, je pense à raison quand même, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils disent entre 500 et 800 ml de lait par jour. Alors, il faut trouver l'équivalent. En termes de yaourt, fromage. Alors attention, fromage, moi j'ai découvert qu'il y avait une recommandation assez récente. Oui. Les fromages au lait cru, pas de fromage au lait cru avant 5 ans. Avant 5 ans. Ouais. Et moi je le savais pas et j'en ai donné. Mais moi j'en donne tous les jours à Félix qui a 3 ans. Parce qu'il y a des alertes. Moi j'ai plusieurs alertes. Il y a quelques alertes. On peut mélanger le lait maternel et le lait artificiel dans un cas comme ça ou pour qu'il y ait le goût. Exactement, il y a les progressivement.
Oui, et puis apporter le yaourt. Et puis il y a des bébés qui vont, les mamans qui ont envie de sevrer, mais qui n'ont pas vraiment envie de sevrer aussi, ça y fait. Et si cette maman tire son lait, on a peut-être la possibilité de lui dire, mais on peut gélifier son propre lait de façon à donner au yaourt. Enfin, ça on fait comme des yaourts au lait maternel. C'est ça, une sorte de yaourt au lait maternel, et ça fonctionne bien. Ouais. Hein, et puis introduire du lait, s'il veut vraiment pas du lait artificiel, ben, introduire du lait maternel un peu dans tout ce qu'on peut trouver, et c'est pas si grave en soi. Enfin, pour moi, je ne trouve pas ça si grave en soi, d'autant qu'il est diversifié, cet enfant. Après, donc, il va aller, s'il avait 3 mois. Quoi. Il va aller chercher ses besoins ailleurs. Il ne se laisse pas mourir de faim. Non. Et puis, d'autant que je dis souvent aussi, on est en Occident et nos bébés ne sont pas carencés au départ. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison que parce que pendant quelques jours ou quelques semaines, et c'est rare que ça dure la semaine, il mange moins qu'il y ait une carence derrière. Quoi. Au départ, il n'y a pas de carence, donc il n'y a pas de raison qu'il ait des carences. Comment faire face justement au refus du biberon? Tiffaine était démunie, c'est la maman de Laura qui a 4 mois et demi, et elle a fait appel à une conseillère en lactation qui vient la guider chez elle. C'est un reportage de Fleur Mongibaud. Depuis sa naissance, Laura, 4 mois et demi, est nourrie au sein par sa maman, Tiffaine. Oui. Et bientôt être l'heure de manger. Mais depuis un mois, Tiffaine tente de sevrer son bébé et c'est très compliqué car Laura refuse systématiquement tous les biberons qu'on lui propose. Et je vais lui proposer dans un biberon que j'ai acheté sur internet qui est censé être le top en termes de similitude avec le sein. Donc couleur chair, tétine soi-disant ressemblant au mamelon. Bon, après avoir essayé quand même plusieurs autres gammes. Hein. Elle mordit et laisse couler autour de la bouche et ça marche pas. Laura, allez, tu essayes? Allez, allez, il faut boire. Allez, c'est pas convaincant. Elle le mâchonne et puis elle le lâche. Et elle finit par s'énerver et puis par pleurer et on finit par céder et je finis par lui donner le sein. On a marre. Laura ne semble pas convaincue par son nouveau biberon. Nouvelle déception pour Tiffaine, qui est pourtant bien décidée à ne plus allaiter. Laura réclame sa maman pas uniquement pour boire ou pour se nourrir, mais aussi pour se réconforter. Donc je suis devenue une tétine ambulante et ça, je ne suis pas fan. J'aimerais que ça s'arrête aussi pour me réapproprier mon corps. Bonjour. Bonjour Tiffaine. Aujourd'hui, Tiffaine reçoit la visite de Myriam, consultante en lactation, qui va l'aider à trouver des solutions. Une chose très importante, c'est vraiment la manière de donner le biberon à un bébé. On va prendre le bébé plutôt assis. Alors, il peut aussi être dans les bras, hein, si on préfère, mais le plus important, c'est qu'il ait la tête libre de bouger. Parce qu'au sein, c'est ce qu'il va faire. Il va décliner un petit peu la tête pour pouvoir prendre le sein. On va garder le biberon à l'horizontale. Ça, c'est très important. Assez loin, vers le haut. Et il va justement placer sa langue comme il le ferait au sein, c'est-à-dire vers le bas. Et il va avancer sa langue. Et on va faire des pauses. Il ne faut pas que ce soit un biberon englouti en 2 minutes, parce que ça, c'est très mauvais. Autre point important pour aider l'enfant à passer au biberon, la forme de la tétine. Des tétines plutôt longues et plutôt étroites à la base vont justement aider l'enfant à avoir les mêmes stimulations dans la bouche. Parce que quand il tète, l'enfant il va étirer le sein dans sa bouche très loin. Si le bébé refuse toujours le biberon, des techniques de transition existent pour le déshabituer du sein en douceur, grâce à cette pipette. On va tout simplement chatouiller un petit peu ses lèvres pour l'inciter à ouvrir la bouche. On va lui mettre le petit doigt au fond de sa bouche qui touche le palais pour déclencher le réflexe de succion. Et lorsque l'enfant tète, on va appuyer sur la seringue. Et lorsqu'il arrête de téter, on va arrêter d'appuyer sur la seringue. Ces conseils pratiques ont permis à Tiffaine de se rassurer et de se sentir accompagnée. Ce que je retiendrai en tout cas concernant notamment le biberon, c'est prendre son temps, hein, respecter le rythme du bébé. On va pouvoir essayer dès ce soir.
Un accompagnement qui, à coup sûr, aidera Laura et Tiffen à passer ce cap délicat. Et n'hésitez pas à m'appeler. Merci beaucoup. Trop mignonne, la petite Laura. Si vraiment le bébé veut pas, c'est vrai que on est, c'est vrai que le rapport à la nourriture dans le cœur d'une mère française, c'est vraiment très compliqué quand son enfant refuse de se nourrir. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors déjà, ce que je disais tout à l'heure, faut pas se dire que bébé va être carencé. Ça c'est la première chose. Ça permet de lâcher prise en fait et de se dire, c'est pas grave, on va lui laisser du temps à cet enfant. Et c'est pas grave si on passe pas par le biberon et qu'on va passer par la tasse. Et c'est pas grave, lâcher prise. Ça c'est vraiment un message très important. Patricia, on a reçu aussi cette question pour vous de Laetitia, qui a besoin d'aide. Bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis la maman d'une petite Erin qui a 4 mois. Je voulais commencer le sevrage. Actuellement, Erin accepte le biberon avec mon lait, mais refuse le lait en poudre. Donc je voulais savoir comment faire du coup pour qu'elle accepte le lait en poudre, qui je pense est plus sucré que mon lait. Merci, bonne journée, au revoir. Il y a vraiment une différence majeure. De goût ? Ouais. De goût, oui. Le lait en poudre, comme on dit, il est toujours le même. Il a toujours le même goût. Le lait de mère, lui, il va être modifié en termes de goût, en fonction de ce que va manger la maman. Quand la mère dit il est plus sucré, moi, je ne suis pas toujours sûre de ça, parce que plus sucré voudrait dire plus riche et meilleur. Et en fait, non, c'est quand même le lait de mère qui est le plus adapté. Ouais. Donc cet enfant, comme on disait tout à l'heure, elle n'est pas bête, elle a très bien compris. Pardon. L'idéal pour elle, c'est le lait de sa mère. Mmh. Maintenant, faire qu'elle ne prenne plus le lait de sa mère. Comment l'habituer ? Là aussi, doucement, tout doucement, à la cuillère pour papa, ou changer de contenant aussi. On peut changer de contenant, on change de goût, donc on peut changer de contenant. Et les céréales qu'on peut mettre dans le lait en plus, ça change le goût ? C'est pas un moyen de tester ? Alors, 4 mois, je trouve ça tôt. Ouais. Trop de beaucoup trop tôt. Il y a pas des laits qui ont enfin après c'est peut-être marketing, mais il y avait des laits genre pour les gourmands avec ouais, des, mais c'est marketing. Miel, oui, c'est marketing. Moi, j'en ai pris. En réalité, c'est clair. C'est quel comportement on a par rapport à l'alimentation de l'enfant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on cherche dans l'alimentation de l'enfant. Est-ce que c'est un côté je suis tranquille et donc auquel cas on va lui mettre un bouilli qui bien le plomber le soir parce que c'est ça dont on a besoin. Ou est-ce que ce qu'on veut c'est qu'il se nourrisse juste normalement. Ouais. Justement, on a une question d'Amanda. Est-ce que laisser son enfant à quelqu'un d'autre que la maman, le papa ou un autre membre de la famille, justement, pour passer au biberon, est-ce que c'est la solution ? Parce qu'il n'y a pas l'odeur du sein, je ne sais pas. Ça peut aider, mais ce n'est pas forcément la solution. Il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a des milliers de façons de faire et ce n'est pas la façon de faire qui va aider. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense, Anna. Ah oui, moi, je suis tout à fait. Ça se tente. Moi, je pense que ça se tente, ça marche. Hein. Ça marche, ouais. Mais il faut le dire au bébé, écoute, je te laisse parce que. Oui, puis si le papa, il s'investit de la question, si vraiment il a à cœur de... Bah justement, je crois que faut que les mères et les pères expliquent à l'enfant ce qu'ils cherchent et ce qu'ils attendent de l'enfant. Il ne faut pas hésiter à parler, assez, en fait. Voilà, on ne dit pas assez ce qu'on attend de l'enfant. C'est-à-dire qu'une mère qui en a marre, on le disait tout à l'heure, elle en a ras-le-bol, elle n'en veut plus, elle ne veut plus mettre bébé au sein, je crois qu'elle peut lui dire. Alors, on ne va pas lui dire, tu m'embêtes, on n'est pas obligé d'être méchant, entre guillemets, mais lui expliquer que ça suffit, j'ai donné assez. Elle a le droit de le dire, et elle a le droit de le dire à son enfant, et le bébé va certainement, ou l'enfant, mieux comprendre les choses. Vous allez en déculpabiliser certaines. Hein. Merci. Anna, justement, on parlait du papa ou le conjoint, a un rôle, j'imagine, déterminant dans ce sevrage. Déterminant, et des fois... C'est pas que entre la maman qui allait et son bébé. Non, c'est vraiment une histoire. Alors, les gens vont hurler, mais c'est quand même une histoire de couple. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des papas qui interfèrent des fois négativement, qui forcent au sevrage. Alors ça, je suis pas très pour, mais en tout cas, je suis pour le fait qu'il y ait vraiment une discussion de couple sur ce sujet. Il faut pas forcer quand même, ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Mais effectivement, il faut en discuter. Il faut que le père soit capable d'exprimer aussi ce qu'il ressent et que la mère soit capable de lui répondre. Alors, il y a beaucoup de mamans qui ont témoigné sur les réseaux en disant « moi, j'ai eu l'impression d'un sevrage forcé ». Il y a un deuil de l'allaitement pour la mère véritable. Oui, et quand on parle de sevrage forcé, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes raisons, en fait. C'est une reprise de travail, c'est la crèche, c'est le médecin qui a dit... C'est pas naturel, quoi. C'est pas naturel, et c'est l'obligation. C'est l'obligation. Donc ça veut dire que là aussi, la mère, elle va avoir une date butoir, et il va falloir que ça s'arrête, qu'elle en ait envie ou pas. Et d'ailleurs, quand on parle de sevrage long, les mamans, des fois, elles disent ça, elles disent « ça fait 7 mois que je suis en sevrage ». Ben non, c'est juste qu'elles n'ont pas de date butoir, donc elles sont pas forcément prêtes. C'est ça. Et elles n'ont pas forcément envie, leur enfant non plus. Donc on continue de donner le sein parce que finalement ça nous plaît bien, ben on a le droit et c'est pas dramatique. On a reçu là c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage ou un message que veut faire passer Céline, regardez. Bonjour la maison des maternelles, je suis Céline, maman d'une petite Janice de 3 mois et demi.
Je suis actuellement en plein sevrage plutôt forcé puisque je reprends le travail prochainement et que l'allaitement est incompatible avec mon rythme. J'ai pu constater qu'on était très peu accompagnés en ce qui concernait le sevrage, qui pourtant peut être très difficile physiquement mais surtout émotionnellement. Je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus et apporter du soutien. Passez une belle journée. Vous aussi. Merci Céline. Anna, elle a 100% raison. 100% raison. Et souvent les femmes n'ont pas le réflexe, mais certainement à cause de nous, d'aller chercher de l'aide, que ce soit une association de soutien à l'allaitement, que ce soit une sage-femme, une consultante en lactation. Ouais, peu importe, souvent elles restent seules. Les histoires d'allaitement, je ne sais pas pourquoi, les gens restent dans leur coin alors qu'en fait... Non, mais il y a beaucoup de blocages en fait en France, hein, culturels là-dessus. C'est dingue ça. Mais il y a beaucoup d'intervenants qui font qu'on arrive à un arrêt d'allaitement. C'est à cause de nous. On va dans les PMI ou l'arrivée en crèche, alors pas partout, et heureusement. Mais du coup, il faut que ça s'arrête, quoi. Comme si c'était obligatoire. Oui, c'est ça. Alors, sevrage, ça veut aussi dire, Anna, un confort au niveau des seins pour la maman. Est-ce que vous avez des techniques qui peuvent soulager ? Il y a pas... Alors là, malheureusement, ça dépend aussi vachement à quel âge on procède au sevrage. Si c'est à 6 semaines après un accouchement, ça va être beaucoup plus douloureux que si c'est 2 ans après. Et après, il faut faire passer... Alors, on peut donner des médicaments, que je ne peux pas citer ici, mais... qui peuvent être prescrits par n'importe quel Il paraît qu'ils ne sont pas bons, ces médicaments. Non, ce n'est pas ces médicaments-là dont il s'agit. Ah, c'est d'autres médicaments ? Oui, c'est des anti-inflammatoires après standard, ou de l'aspirine éventuellement, mais ça, je préfère que vraiment... Sinon, il y a le chou qui est très bien, qui a des vertus anti-inflammatoires. Au début, je n'y croyais pas trop, mais en fait, j'aime beaucoup le chou. Soit vous l'écrasez dans votre main comme ça, et puis vous le mettez dans votre soutien-gorge. Je le fais. Soit chou frisé, idéalement... Soit vous le passez comme ça. Enfin, l'idée, c'est, vous voyez, c'est que ça libère les substances qui sont à l'intérieur des rainures. Donc, ça marche dans les rainures. Et vraiment, ça marche bien. Et alors, pour peu que vous l'ayez passé au frigo et que ce soit un peu frais, ça fait vraiment du bien. Mais vraiment. Et le bandage, là, la torture, là. Non. C'est de la torture. Ça marche pas, ça. Non. C'est de la torture. Il y a les petits poissons. Il y a le chaud, le froid, petit poisson gelé, toujours. Ouais, ce qu'on peut mettre. La couche de bébé aussi. Ouais, ça c'est génial. Ça marche super bien. La couche propre. Vous prenez une couche propre, mettez de l'eau dedans, vous la mettez au congèle. Une heure après, vous la ressortez. Comme les serviettes hygiéniques. Et elle a, comme les pareil. Voilà. Et on peut la voir en. Ça marche pour les hémorroïdes. Ça marche très bien. Ah oui, parce que les petites couches de nouveau-né, elles sont parfaites. Elles sont parfaites. Après, Anna, vous pouviez aussi acheter un chou frais. Parce qu'il pue votre truc. Ouais, c'est vrai. C'est pas top. On se serait bien fait une salade pour pas gâcher, mais là, ça va être dur. Alors, on nous parle énormément de sevrage naturel. On a reçu justement un message de Maury. Regardez. Bonjour. Donc moi, j'ai choisi le sevrage naturel pour mes 4 enfants. Donc d'ailleurs, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Ça s'est fait tout naturellement. J'avais du lait et je ne me voyais pas faire autrement. Ni remplacé par un quelque substitut que ce soit, étant donné que j'avais ce qu'il fallait. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'est le sevrage naturel ? L'allaitement prolongé, on le voit, nous, sur les réseaux sociaux, ce type de commentaires, etc. C'est très partagé et c'est souvent ultra passionné. D'ailleurs, je suis sûr que même cette vidéo, elle va susciter des commentaires. Bah, c'est-à-dire que les images sont un peu... C'est pas choquant. C'est surprenant. C'est surprenant, c'est-à-dire qu'on voit ça. C'est pas notre culture. C'est juste pas notre culture. L'allaitement, le sevrage naturel... Non, ou l'allaitement non écourté, c'est à peu près entre 2 et 6 ans. Ah oui, donc effectivement, et d'ailleurs, si on appelle les dents de lait, c'est peut-être pas vraiment par hasard. On peut peut-être y penser aussi comme ça. Oui, qui tombe à 6 ans, des ennemis, c'est mais c'est pas grave. Mais oui, l'allaitement non écourté, ça peut aller jusqu'à 6 ans. Et donc, dans ce cas, tous les enfants ne le feront pas, parce que comme on induit un sevrage par l'alimentation, la plupart du temps, il y a un arrêt avant. Qui est décidé par l'enfant ? Qui peut être décidé par l'enfant, mais... qu'il n'est pas vraiment, puisque comme on induit d'autres aliments et qu'il se nourrit ailleurs, il n'a pas forcément, ce n'est pas un besoin du coup. Donc, le fils de cette maman, là, qui a 5 ans, il a 5 ans, c'est ça ? 5 ans. Il n'a pas physiologiquement besoin de ce lait ? Si, puisque de toute façon, toute la petite enfance, il a besoin de produits laitiers. Donc autant donner du lait de sa mère. Il est là. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, ça prête à polémique sur les réseaux. Ça prête à polémique. Et c'est vraiment... Et ça prête à polémique parce qu'on a toujours... Ce qu'on ne connaît pas fait peur. Bien sûr. Et du coup, on voudrait que l'autre fasse exactement comme nous. Et après, quand on dit polémique, ce n'est pas aussi parce qu'on reçoit 3 messages de gens qui sont dans leur coin et qui sont un peu vénères par nature qu'il faut croire que tout est polémique. Dans un sens comme dans l'autre. Voilà, on peut aussi en parler sereinement, ce qui est le cas. On veut que les autres fassent ce que nous, on fait. Et en fait, si on foutait la paix à tout le monde, ce serait bien. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est important de le dire. Ne vous inquiétez pas. Foutons la paix à tout le monde. Tranquille. Que chacun fasse comme il veut. Patricia Coutable, est-ce que toutes les femmes peuvent réellement sevrer naturellement leur enfant ? Oui. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête.
C'est une tendance en hausse chez les mamans, justement, l'envie d'aller au bout de cet allaitement de manière naturelle. Je ne sais pas si c'est en hausse ou pas. Je pense qu'on en parle beaucoup plus que ce qu'on en parlait il y a 10 ans. Et donc, du coup, et comme ce n'est pas culturel chez nous, bah forcément, ça fait des grincements dedans. Mais je ne sais pas si c'est réellement en hausse. Je pense peut-être qu'on en parle plus, tout simplement. Oui, il y avait plein de femmes qui le faisaient et elles n'en parlaient pas. Ouais. Des femmes qui ont des enfants qui rentrent à la maternelle ou à la grande école, entre guillemets, et qui allaitaient, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein, mais on ne le dit pas. Merci, hein, Patricia Kuta, parce que je trouve que votre discours est particulièrement déculpabilisant. Merci. Et pour les femmes qui ont envie d'allaiter longtemps, et pour les femmes qui ont envie d'arrêter d'allaiter. Et ici, on essaye de s'adresser à la majorité des femmes. Voilà, on le dit, on le redit, parce que c'est un sujet qui déchaîne les passions sur les réseaux. Moi, j'ai des trucs parfois sur mon Instagram, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que... Enfin, c'est fou, quoi, parfois, cette violence sur un sujet qui est tellement chouette, tellement humain et intime, quoi. Voilà, et c'est intime. Vraiment un choix intime. Merci beaucoup. Merci à Narwa. Merci à Floriane Gillette d'avoir préparé votre chou, là. Emmenez votre chou avec vous. C'est vrai, écoutez, ça sent ce qui s'est passé en pré-générique de cette émission. Je ne peux pas en dire plus si vous n'étiez pas avec nous. On ne va pas revenir là-dessus, mais bon, quand même. Anna, vous allez maintenant aider les futures mamans à reconnaître les mouvements de leur bébé. C'est un tuto qui est très, très important parce qu'on va vous demander, du coup, grâce à Anna, d'être attentive à certains signes. Et donc, il y a des choses vraiment à savoir. Restez avec nous pendant l'appel à témoins de Benjamin Mullet. C'est l'une des préoccupations des nouveaux parents. Mon bébé a-t-il un développement normal? Alors, entend-il bien? Voit-il bien? A-t-il ou a-t-elle un bon développement moteur, affectif ou relationnel? Lors d'une prochaine émission qu'on est en train d'organiser, nos experts répondront à toutes vos questions sur ce thème. Donc n'hésitez pas, vous nous en envoyez un maximum. lmdm@2p2l.com, c'est l'adresse mail, c'est l'heure de pratiquer. Bonjour Axel. Bonjour. Bienvenue dans la maison des maternelles. Qu'est-ce que vous faites, future maman épanouie là? C'est vrai, vous avez l'air tout beau. C'est peut-être une, je sais pas, une vue de l'esprit, mais vous avez l'air tellement détendue. Non, mais ça se passe bien. Bon, oui. Ouais, ça a l'air. Vous êtes enceinte de 5 mois. Oui, c'est ça. Est-ce que vous sentez votre bébé bouger dans votre ventre déjà? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Là, je sens, ça fait un mois que je le sens à chaque fois un peu plus. C'est votre premier bébé? C'est mon premier bébé, oui. Mm-hmm. Et je sens des petits coups, parfois il se déplace. Enfin, je sens vraiment des... Vous sentez vraiment bien, là? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous émeut? Ça vous intrigue? Alors, la première fois, ça m'a fait un peu bizarre. Et là, ça me donne... Je me sens moins seule, en fait. Mm-hmm. Cette sensation... quand je suis je suis toute seule et j'ai cette présence, je trouve ça très agréable. Et puis c'est la première interaction finalement qu'on a avec son bébé. Ouais. C'est absolument magique. Anna, on va faire un vrai faux si vous voulez bien, parce qu'on se pose 1 milliard de questions sur les mouvements du fœtus. Donc vous me dites vrai ou faux à chaque question, ok? Très bien. Enfin à chaque affirmation. Parfait. Le bébé commence à bouger dans le ventre de sa maman à partir de la fin du 3e, 4e mois. Non, en fait il bouge bien avant, mais il est tellement petit qu'on le sent pas bouger. Voilà, alors ça au moins c'est clair, il bouge dès le début. Ouais. Les premiers mouvements du bébé peuvent être perçus comme des bulles d'air dans le tube digestif. Oui, ça c'est vrai, ça fait comme des... Il y a des femmes qui disent que c'est comme des petites bulles qui remontent comme dans une bouteille de champagne et qui éclatent, paf, paf. Je ne sais pas si ça vous a fait un peu comme ça. Oui, et... Ou des fois des vaguelettes. Oui, moi j'avais l'impression qu'on creusait à l'intérieur. Voilà, des sensations, Le terme auquel les femmes sentent leur bébé bouger est différent d'une femme à l'autre. Oui, ça c'est totalement vrai. Il y a des femmes qui vont le sentir très précocement, dès la fin du 3e mois. Et puis d'autres, elles vont attendre le milieu, fin du 5e mois. Mmh. Et sans que ça présage de ce que va être ce bébé sur son activité, son intelligence ou quoi que ce soit, je précise. On peut réveiller un bébé et le faire bouger en touchant le ventre. Oui, ça c'est vrai. Nous, on l'utilise à l'hôpital. Vous pouvez le faire aussi, vous. Donc là, je me replonge dans mon état de grossesse. Mais en fait, c'est ce qu'on fait à l'hôpital, c'est qu'on pose nos deux mains de part et d'autre du ventre et on va vraiment faire un mouvement assez fort. Oui, et c'est fort. Hein. C'est fort. Bon, vous ne le faites pas vous, sauf si vous êtes inquiète, vous pouvez un peu faire ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire... Comme ça m'arrive, hein, de temps en temps. Mais à l'hôpital, on le fait. On fait « oh ». Oui. Alors Anna, question, affirmation très importante, écoutez bien. Il faut venir aux urgences de la maternité après 24 heures d'absence de mouvement du bébé. Non, alors ça me rend hystérique. Je le lis partout, dans les sites internet, dans les bouquins même. On dit effectivement « attendez 24-48 heures », c'est archi faux. Vous êtes inquiète, parce qu'il bouge moins, qu'il bouge bizarrement, que je sais pas, qu'il bouge plus du tout. Là, vous avez le réflexe, vous foncez dans la cuisine, vous prenez un truc super sucré, confiture, chocolat, je sais pas ce que vous voulez. Oui. Vous retournez vous coucher pendant 1 heure, sur le côté gauche ou côté droit, selon ce que vous préférez. Et pas sur le côté. Idéalement sur le côté. Oui.
Et dans la, il doit avoir bougé dans l'heure. S'il n'a pas bougé dans l'heure, donc assez rapidement... Pourquoi fait, parce que le sucre, en fait, ça le... Ça exactement. Ça, vous partez à la maternité faire un check-up. Souvent, ils se mettent à bouger en salle d'attente. On est ravis. Mmh. Mais non, il faut vraiment pas déconner avec ça. Oui, et je peux vous dire, j'ai eu des messages Instagram où vraiment, ça a été vraiment important. Et les femmes, elles m'ont dit, vous avez sauvé la vie de mon bébé avec ce message-là à la télé. Ouais, on a souvent ça sur les réseaux. Donc, et vraiment, c'est la raison d'être de cette émission. Voilà. Vraiment, il faut faire hyper attention. Et redire aussi, parce qu'on se sent très infantilisé quand on est enceinte. Je sais pas si vous avez cette sensation déjà, mais on se sent vraiment comme une petite fille. On regarde son gynéco, sa sage-femme. On a l'impression qu'on s'excuse, en fait. Dire que le personnel médical n'a pas de jugement par rapport à une femme qui est inquiète, non enfin, que... Ah, pas du tout. Enfin, en tout cas, il ne doit pas avoir de jugement. Oui. Et moi, vraiment, toute femme qui vient parce que son bébé bouge moins, mais on l'accueille, oui. Enfin, on est très sérieux, on dira jamais « Ah, mais pourquoi vous êtes venue hein? ?» Jamais. Et si le bébé bouge moins, ça peut être à cause du placenta, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. À la fin de la grossesse, des fois, ou même au milieu de grossesse, quand le placenta marche plus très bien, qu'il est un peu en fin de course, eh ben, il participe moins bien aux échanges et du coup, le bébé bouge moins. Donc ça peut être un motif de déclenchement, d'ailleurs, qu'on voit à l'échographie, on peut tout à fait... Un mot sur le hoquet. Le hoquet du bébé peut être ressenti par la maman et il est dangereux. Alors, il est dangereux, certainement pas, ça c'est clair. Et il peut être ressenti par la maman, oui, tout à fait, des fois ça fait des... Moi j'avais ça tout le temps. Ah mais c'est super impressionnant, ça me rendait dingue, moi. Ouais, c'est ça me rendait dingue, j'avais envie de me taper la tête contre les murs. Et ça peut être plusieurs fois par jour, et c'est tout à fait normal. D'accord. Le fœtus peut sursauter quand il entend des bruits soudains. Ben oui. Alors ça, effectivement, on le perçoit moins, nous. Oui. Mais si, bien sûr, le fœtus peut sursauter. Le bébé bouge moins, ça, on l'entend aussi partout. Le bébé bouge moins en fin de grossesse. Ah non, alors ça, je ne veux pas entendre. Ça y est, ça va l'énerver, regarde. Ça me rend hystérique. Alors évidemment, regardez-moi mon petit bébé, là, de 5-6 mois. Effectivement, ce petit chou, il arrive à faire des galipettes partout parce qu'il est tout petit. Donc, il a vachement d'espace. Son congénère, qui est à 9 mois, qui fait 3,5 kg, eh ben, lui, il va autant bouger en fréquence, mais évidemment, il ne peut plus faire les mêmes mouvements spectaculaires. Donc vous n'allez pas sentir des tourneboulis dans votre ventre, mais toutefois, vous allez sentir qu'en fréquence, c'est toujours la même fréquence. Il bouge autant. C'est juste pas les mêmes amplitudes de mouvement. Ça, c'est hyper important à dire. Hein. Bon, ça, c'est une grosse fausse idée. Bon, écoutez, Anna, c'était passionnant. Honnêtement, je pense que vous l'avez dit en début d'émission, que c'était un tuto essentiel. C'est vraiment un tuto essentiel. Vous pouvez retrouver tous les tutos d'Anna sur lamaisondesmaternelles.fr. C'est la meilleure préparation à l'accouchement. Il n'y a pas de chichi, pas de tabou. On dit tout dans cette émission. Ça vous a appris des choses, j'imagine, Axel. Oui. Alors, vous savez que dès que le bébé... C'est un garçon ou une fille, vous le savez? Je le saurai à la sortie. Ah, vous avez voulu garder la surprise. Ouais. Ça, oui. C'est bien. Ou en tout cas, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, peut-être qu'il adorera aller nager et les bébés nageurs. C'est super. Mais il faut s'équiper, n'est-ce pas, Marie-Pérarnaud? Équiper, il le faut. Voilà. Donc, je pense qu'elle l'a préparé, ça, par exemple, pendant une vingtaine de minutes. Ah, mais complètement. Ce que je vais faire, est-ce que... C'est Benjamin Muller qui m'a aidée. C'est le lundi. Elle est déchaînée. Elle est comme ça. Tous les lundis. Le week-end, ça lui fait du bien. Allez, c'est l'heure de tester. Je ne sais pas dans quel état, mais c'est l'heure de tester. Et je peux vous dire que la première phrase qu'on avait préparée avec Benjamin Muller était beaucoup trop longue. Ah oui, c'est ça, j'ai très peur. Vous êtes encore dans mon oreillette. Vous aussi. Du lundi. Oui, c'est ça. Coupez-vous ça, merci. Je vous adore. Mais... En fait, il faut voir, regardez, on a tous des petites oreillettes comme ça. Et de temps en temps, on a dit t'es mauvaise, t'es trop longue, tais-toi, c'était pas drôle. Ouais, c'est jamais des compliments. Non, jamais. Et puis parfois, ils oublient d'éteindre. C'est ça. Et ça, c'est très désagréable. Donc, on va à la pisquine, à la pistache. Mm-hmm. Parce que j'ai des mamans qui me demandent comment est-ce que je fais, à partir de quel âge. Regardez Albéric qui me fait peur. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Mais... C'est son costume de bagnard. Ouais, c'est ça. Bon, on n'écoute pas ce qu'elle dit. Non, on n'écoute pas. Bon, vous avez emmené vos bébés à la piscine, vous, Agathe? Oui. Les deux. Les deux, bon, c'est bien. Et je trouve que c'est vachement bien. C'est très, très chouette. Alors, évidemment, il y a quelques petites recommandations. On évite d'y aller avant 4-6 mois. Ou en tout cas, que la deuxième injection vaccinale soit faite. 6 mois. Voilà, le deuxième bloc de vaccin. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il y fait quand même un peu frais. Oui. On est d'accord. Un bébé se refroidit bien plus vite qu'un enfant un peu plus âgé. Et si vous avez, par exemple, des maladies chroniques ou des choses qui reviennent régulièrement, genre l'otite, la bronchiolite, évidemment, on va éviter surtout l'hiver quand il y a des virus qui traînent. Sinon, évidemment, c'est du bonheur. On apprend à découvrir l'eau, à flotter. On est dans les bras de papa, les bras de maman. C'est vraiment très sympa. Vous pouvez faire comme moi. Moi, j'appelais tout le temps la piscine pour savoir à combien était l'eau. La relou. La relou. Et du coup, je m'étais rendu compte que... Oui, bonjour, c'est Marie-Pérarnaud. Vous pouvez aller regarder la température de l'eau, c'est ça. Non, mais je m'étais rendu compte que, par exemple, comme il y avait un cours de bébé nageur le samedi matin auquel je n'allais pas, j'y allais le vendredi soir parce qu'il chauffait l'eau avant. Elle est maline. Oui, parce qu'on peut aller au cours de bébé nageur, mais aussi on peut aller à la piscine sans cours de bébé nageur. Oui, c'est parfois ça. Parfois même. Donc, qu'est-ce qu'on emmène? Eh bien, on prend un sac de pistache, évidemment. Mm-hmm. Hein,
on est bien. Et pour son bébé, parce que souvent il y a des tables allongées, mais le matelas allongé n'est pas clean, hein, parce qu'il y a 18 bébés dessus, on peut se prendre un petit tapis allongé nomade. Alors là, c'est un tapis allongé de chez Bambino Mio, et un petit peu en néoprène, donc ça c'est pratique. On peut aussi prendre le sac allongé, allongé. C'est génial, même ça, pour l'air d'autoroute, pour tout. Ah, complètement, parce qu'il se lave hyper facilement avec un petit coup d'éponge. Ouais, c'est top, un petit molleton et tout. Tout à fait, c'est moelleux. C'est moelleux. Donc, c'est super. Il est très très bien. On peut aussi, donc je le disais, prendre son tapis allongé de son sac allongé classique. Donc ensuite, la couche de piscine. Parce que, je vais vous dire un truc, je ne veux plus voir des couches de piscine jetables. C'est non, c'est non. Ah, bah, ah non, c'est ah du bon, déchet. Qui... Ah bah, bah oui, mais Agathe. Moi, je suis au courant de rien. Oh, vous aviez aimé les couches lavables. Ah oui. Bien voilà, les couches de piscine. Voilà, alors celle-ci, c'est une Apple Chic. On va retrouver les mêmes marques sur les couches lavables. Évidemment, ils se sont positionnés dessus. Logique, puisqu'ils ont le savoir-faire. Apple Chic, les Canadiens, que je recommande pour les petits. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a plein de petits boutons pression. Mm. Donc, on va pouvoir ajuster au plus près. On ne va pas se mentir, l'enfant a fait rarement caca dans l'eau et aucune des couches de piscine, qu'elles soient jetables ou lavables, ne va retenir le caca. Vraiment très bien. Ah non, non ça, non. C'est une... mais ni voilà. Le pipi. Hein, non, si ni le permettre. Pipi. En fait, l'idée, c'est que ça soit un peu serré autour des cuisses. Oui. Donc, par exemple, ce modèle-là va vraiment convenir au tout petit. On retient la bête. On retient le principal de la bête. Voilà. Donc, Apple Chic est très bien. On a Amac aussi qui fait... Alors, c'est un tout petit peu plus cher, Amac, mais c'est fabrication française, Cocorico. Là, ils ont eu cette intelligence-là de dire l'enfant ne fait pas que aller dans l'eau. Donc, on va avoir la couche de piscine classique qu'on va pouvoir mettre comme ça tout simplement. Vous voyez qu'il n'y a que ça qui retient le pipi et le caca. En revanche, quand votre enfant sort de l'eau, imaginons qu'il joue au bord de la pataugeoire ou l'été au bord de la plage, on va pouvoir quand même lui mettre un petit insert car souvent le caca arrive entre deux baignades. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, on a aussi la SIG, ça on va être sur les plus petits prix. La SIG qui fait des maillots de bain géniaux pour la piscine ou la plage, c'est très très beau, 12 euros. Hein, ils sont tous très mignons. En fait, le prix d'un maillot comme ça, chez la SIG ou chez Bambino Mio, c'est 12 euros. C'est le prix d'un paquet de couches. Ouais, donc franchement, n'abusez pas. Quoi. C'est vachement mignon. Oui, c'est vachement mignon. En plus, maintenant, les technologies font que c'est très, très doux pour les fesses du bébé. Et puis, ça reste humide très peu de temps, ce qui fait qu'on n'attrape pas froid par les fesses. Et ça, c'est quand même appréciable. Ensuite, donc on a mis son maillot, hop, schlac, schlac, on fait un peu le tri. Ensuite, on a besoin d'une serviette de bain. Alors moi, je recommande toujours d'en prendre deux, parce qu'on est d'accord que quand on se baigne, on en utilise une, c'est comme nous. Et après, on se retrouve dans les vestiaires, notre serviette est trempée, on n'est pas bien, on a froid. Donc on en prend deux. J'aime bien cette serviette papillon, vous pouvez l'utiliser, voilà. Hop, on l'attache, pour les tout-petits, on l'attache autour du cou, Batman, du cou, dans l'autre sens, pour voilà, son bébé. Ou on peut prendre celle-ci d'Arthus et Paola, qui est très bien aussi. Vous voyez qu'elle a deux trous, donc on va pouvoir se saisir de son bébé. Hop, 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 voilà, ça vous va très, très bien, Agathe. Et on va pouvoir envelopper son bébé à l'intérieur. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ensuite, quand l'enfant est plus grand et qu'il va à ses cours de piscine, il peut l'enfiler telle une veste. Voilà, ouais. Batman et Batman. Batman voilà. Et Batman. Ensuite, bon, je termine juste avec mon... Oh, je l'ai complètement mal mis. Avec mon petit peignoir de chez Lastic. Ah, ça, c'est ma nouveauté de colonne. Attendez, on rigole pas. On rigole pas. Ah, vous savez que j'ai la colonne avec Isabelle Fioc. Bon, alors, il n'est pas encore disponible en France. Bientôt, dans quelques dizaines de jours. C'est un génial. Petit peignoir Lastic Deutsche Qualität en mousseline. Est-ce qu'on n'a pas envie de se vautrer mousseline dedans? Mousseline de coton. Voilà, ça, c'est... Ouais, mais est-ce que c'est vraiment bien absorbant? Ça, pour avoir chaud. Si, c'est très absorbant et surtout pour avoir chaud en sortant, c'est canon. Merci pour votre mouchoir. C'est pas... On n'oublie pas un truc, mon petit chou. Le petit biberon dans une thermos. Ah oui. On sort de la piscine parce qu'un bébé se refroidit vite, il va avoir faim. Donc on n'hésite pas, petite compote, petit biberon pour les petits. Ça c'est Organic Kit chez Maman Naturelle, chez 100 BPA, il y en a plein, c'est canon. On en achète un, ça coûte 19 euros, mais ça nous servira toute notre vie. Et après on pourra mettre notre petit thé dedans, nous. Oh, c'est fantastique. Je sais. Tout comme les tutos d'Anna Roy, sachez que les tutos de Marie-Père Arnaud sont sur la maison des maternelles. Oui, oui, ils y sont. On n'a pas parlé des bouées, j'en parlerai une autre fois. Bah pourtant, c'est important. Bah oui, pas de bouée. Hein. Pas de bouée, pas de bouée pour les bébés nageurs. Les brassards. Non, mais pour les bébés nageurs. Les paddle jumpers, pas de bouée. Voilà, et il ne faut pas tenir son enfant avec le visage qu'on ne voit pas. Il faut le mettre face à soi. Voilà, exactement. Eh oui, parce que sinon, il peut faire des blablabla. Voilà. Prénom du jour, Benjamin. Le prénom du jour, c'est Bérénice. Bérénice qui vient du grec Bérénike. Peut-être pas le bon accent, ça c'est pas... Bérénike, non. Qui signifie qui apporte la victoire. Alonikos, désolé. J'ai fait du latin, mais pas de bon. C'était un prénom qui était très courant dans l'Antiquité, période que vous avez bien connue. Il a ensuite disparu pendant plusieurs siècles avant de revenir en vogue dans les années 70. Pic de naissance 97, 460 naissances. Aujourd'hui, on a environ 250 petites Bérénices. C'est-à-dire que c'est un prénom qui n'est pas très donné, mais un petit peu quand même. Il faut dire que c'est un joli prénom. C'est une belle analyse. On les fête les 4 octobre. Et alors, des Bérénices célèbres, mis à part Bérénice Gabriel, qui est une de nos reporters. Bérénice Béjot. Absolument, qui joue dans The Artist ou SS. Et surtout, Bérénice Bourgueil, animatrice belge. Vous la connaissez déjà ou pas, Marie? Je n'ai pas encore la télé.
Ah bon, bah le mec vous allez l'entendre sur RTL TV et sur Bel RTL. Ça fait un mois qu'elle attend que le gars passe. Vous avez la radio, vous l'écoutez sur Bel RTL, elle présente la matinale. Elle est hyper connue là-bas, je l'embrasse, Bérénice Bourgueil. Que les choses soient bien claires. C'est elle d'ailleurs qui dit ça tout le temps. Un bouquin, ma petite Marie. Écoutez, un petit bouquin intelligent, comme toujours, de chez Bayard Jeunesse. Miroir, la magie de la symétrie. Hop, regardez, c'est la miraculation. Un petit miroir à l'intérieur. On va pouvoir jouer avec ce miroir, vide ou plein. C'est-à-dire que si je mets mon miroir là, regardez, mon sac est vide. Baissez un peu le livre parce qu'on voit. Ah ouais. Ouais, on le voit dans le truc, vous voyez. Ouais. Et si je mets le miroir là, et ben mon sac, ben là, vous ne verrez pas du tout. Achetez-le. Marie, là, vous auriez dû le répéter. Non, mais j'ai un problème de latéralisation et vous savez ce que c'est. Donc voilà, en tranche ou en entier, on va pouvoir vraiment jouer avec génial, ce petit miroir. Comprend. Voilà, vous avez compris. Hein, voilà. C'est juste que je ne peux le faire que d'un côté, Benjamin. Ce n'est pas la peine de vous moquer. Bon, très bien, donc à partir de 2 ans, chez Bayard. Ben oui, c'est très bien. Merci Marie, merci Anna, merci Benjamin. Vous avez été merveilleux. On se retrouve chaque matin, vous le savez, du lundi au vendredi. Ça va être le cas toute cette semaine. Ce n'est que le premier jour ensemble. Il en reste encore 4 cette semaine. On se retrouve sur les réseaux sociaux, évidemment, en attendant, puisque la Maison des Maternelles est ouverte 24h sur 24 sur lamaisondesmaternelles.fr et aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à Bérénice, Béré et les bébés du jour. Reproduisez-vous d'ici demain. Donc vous avez le temps, 24h.